Salut à tous! Voici mon nouvel univers! Celui d'une maman, une jeune maman, oui jeune, même si j'ai 40 ans. Je suis nouvellement maman puisque mon petit garçon a 4 mois et je suis contente aujourd'hui de pouvoir répondre à une question que vous me posez très souvent. Quel est ton matériel de puériculture? Qu'est-ce que tu utilises pour sortir en balade? Qu'est-ce que tu utilises pour le bain, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu toute la panoplie de matériel que j'ai testé, que j'ai utilisé, que j'apprécie, qui fait notre quotidien à nous ici. Alors je vais commencer par la chambre. J'ai fait un très joli mur avec des montgolfières. Alors j'ai choisi le thème de l'envol, de l'onirique. C'est pour ça que j'ai choisi un papier peint que j'ai fait poser par un professionnel avec des montgolfières, des nuages. Franchement, je le trouve super, super joli. Et la chambre qui va avec, du coup dans les couleurs kaki, je la trouvais parfaite. Elle est très mixte en plus, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, avec le trio armoire. Hop, tout en bois, lit et commode table allongée ici. C'est le modèle Eleonore de la marque, de la fameuse marque Sauton Vanilly, qui est une marque en fait française et qui fait de très jolis produits. C'est très élégant, c'est très chic. Regardez cette armoire avec le petit liseré en bois ici et des petits détails comme voilà, ces petits renfoncements ici. Je dis tout le temps petit, j'avoue. Je pense que Stan qui fait mes montages va relever ça. Et à l'intérieur, le bazar, puisque c'est moi qui tiens cette armoire, mais beaucoup de rangements et c'est ça qui compte. Ce joli petit lit. Et ça continue encore et encore. J'ai un super concept qui est le Ren Boops. Regardez ce petit concept, c'est tellement mignon. C'est une jeune créatrice qui fait ça, qui s'appelle Ren Boops. Et en fait, elle propose un linge, en fait, sur lequel elle coud le prénom de votre enfant, qui lui est vraiment personnalisé. Et ensuite, elle vous propose des coussinets d'allaitement que vous pouvez mettre dans votre soutien-gorge qui va recueillir votre lait, votre odeur, et qui se scratch ici, hop, pour faire dodo et avoir votre odeur. Ou alors, carrément, sur le doudou. C'est tellement mignon. Regardez, hop, on peut scratcher ici. Franchement, mais c'est trop mignon ce concept, j'adore. Tout le textile, comme si c'est en coton, en gaz de coton, donc c'est respirant, c'est doux. J'ai mis, voilà, des petits contours comme ça, et c'est Sevira Kids qui propose tout ce textile. Également, c'est montgolfière. Franchement, c'est des jolis produits. Et également, ce réducteur de lit, c'est aussi appelé cocon, voilà. Et vous pouvez également réduire la taille ou l'agrandir ici, grâce à une petite corde. Vous pouvez relâcher, vous pouvez le resserrer, etc. Et c'est tout doux. Et c'est également conçu en fonction des couleurs que vous voulez. Donc là, c'est l'eucalyptus. Je trouvais hyper joli l'eucalyptus. Merci Sevira Kids pour ça. Alors, ce n'est pas directement de la périculture, mais vraiment, ça s'en approche. Parce qu'en fait, quand on est maman, on ne porte plus des vêtements qui ne sont pas confortables. Parce qu'on court partout, parce qu'il faut que ce soit élastique. Bref, on sort d'une grossesse, donc voilà, il faut que ce soit élastique, confortable. On n'a plus la même recherche à ce niveau-là. Et moi, en fait, j'ai trouvé une marque, mais qui est vraiment top, qui s'appelle J-Swen et qui est le premier fabricant européen de vêtements 100% laine vierge. Ce pull, c'est eux. Ce bonnet, c'est eux, mais alors surtout vous pouvez pas toucher, mais c'est tellement doux. Il y a une cape également, je vous montre la cape que je n'ai pas mise non plus, qui peut se porter, qui est très élégante. Hop, cette laine, c'est la plus fine, sélectionnée à la main. Et travaillée de façon à ce que ce soit résistant et surtout très doux et confortable. Vraiment pour un confort optimum et j'aime énormément. Je vais vous montrer, j'ai également les chaussures, ils font des chaussures avec de la laine. Je vous donne une nouvelle super, c'est que j'ai un code promo NJ20 qui vous permet d'avoir 20% sur tout le site. Vraiment, c'est leur site français, c'est leur début avec ce site français. Et donc, du coup, pour l'occasion, ils vous offrent 20% si vous aimez des vêtements de très bonne qualité. Et du coup, J-Swen, c'est le premier fabricant de vêtements 100% laine vierge. Je vous montre, j'ai même les chaussures, des chaussures 100% laine. Ça se voit pas, c'est confortable, on peut faire du sport, c'est des chaussures faites pour le sport. Je vous montre. Regardez cette beauté, ces beautés.
C'est de toute beauté. Elles sont super jolies et surtout très résistantes à l'usure, car c'est du fil de mérinos à torsion, ce qui procure à la Woolpick, hein, c'est le nom de cette chaussure, avec des semelles, regardez, qui sont rebondissantes, et ce qui lui procure du coup une stabilité, une résistance maximale. Et le top du top, regardez, c'est que ça peut être porté sans chaussettes, parce qu'en fait la laine de mérinos fait fuir les bactéries et c'est vraiment anti-transpiration. Plus de soucis de transpiration, je vous assure, et ça se lave à la machine. Le pantalon, c'est un tissu extérieur soft shell résistant aux intempéries en élastane et polyester. Alors, il y a une membrane intermédiaire qui est coupe-vent et une gestion de la température avec une doublure polaire à l'intérieur. Donc ces vêtements, ça combine l'élégance, le confort, c'est un style à la fois décontracté, sportif, et c'est super sympa. Donc je vous rappelle mon code promo, NJ20, pour avoir 20%, et je vous mets le lien du site en description. Sévir Aki propose aussi des petits nids d'ange comme ça, c'est trop mignon. Je vais vous montrer comment ça se met. Hop, voilà, et en plus, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y a des scratchs. Ici, il y a une espèce de petite culotte quoi, donc en fait on peut le mettre dedans, il est vraiment très très bien maintenu, attention les scratchs bien fermés pour pas que ça irrite, hein. Et donc là il est contenu et ensuite vous pouvez hop, fermer comme ça, et franchement il est trop bien, c'est au top pour les tout petits. Sur Sévir Aki, vous avez un code promo NJ20 pour avoir 20%. En termes de cododo, j'ai le cododo Yora Air de Maxi Cozy. Je l'aime beaucoup parce que c'est un petit format mais assez grand pour aller jusqu'à 6 mois. Et surtout, la nouveauté, c'est qu'il a une maille respirante qui permet à bébé d'être dans un confort optimal et une meilleure circulation de l'air. Il faut savoir que tous les tissus de ce cododo, ils sont faits à partir de matières recyclées, de bouteilles plastiques. Et donc, du coup, c'est vraiment éco-responsable. Très épais. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de laisser ouvert et quand l'enfant grandit, de refermer. Hop, et d'en faire un petit berceau. Vous avez une lamelle en bois pour tenir ici. Moi, ce que j'ai bien aimé avec ce lit, c'est qu'en fait, il y a 5 positions de hauteur et jusqu'en haut. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez par exemple descendre ce côté, mais pas celui-ci. Bébé est incliné, donc pour les enfants qui ont des coliques, c'est assez pratique. Vous avez une fonction balancelle pour apaiser le sommeil de bébé. Vous retournez ça, et ça devient une fonction balancelle des deux côtés. Et en dessous, vous avez un super panier de rangement. Et ça, c'était important pour moi. Quand j'ai cherché des cododo, j'ai recherché vraiment ce panier de rangement parce que, ben, moi, il y en a toujours partout, autour du lit, sur la tête de mon grand lit. Et du coup, ben là, j'ai mis les gigoteuses et les draps relatifs, du coup, au cododo Yora Air de Maxi Cozy. Donc voilà pour le cododo. En termes de poussettes, j'en ai 3 formats différents. Et celle-ci, c'est la Citadine. Et j'ai choisi la marque Oupa Baby, qui est une marque très réputée aux États-Unis. Là, j'ai leur Citadine, qui s'appelle la Minou. Non seulement elle est légère, elle se transporte facilement, je vais vous montrer. Elle se plie facilement, il n'y a pas besoin d'un manuel. Mais en plus, l'enfant n'est pas au niveau des pots d'échappement, ce qu'on reproche souvent aux poussettes Citadine et très petit, tout petit format comme celle-ci. Il est en hauteur. Et en plus, voilà, elle a un guidon en cuir, elle est plutôt standing. Je vous montre le pliage. Hop, et ensuite, vous pouvez la transporter comme un petit sac. Le dépliage est aussi simple. Vous appuyez sur un bouton. Et voilà, j'ai commencé par la nacelle. Hop, regardez, elle se fixe en 1 seconde. La voici, elle s'enlève en 1 seconde avec le bouton qui est au-dessus. Que voici ! Parce qu'elle a une canopie extensible qui permet de protéger le bébé du soleil et en plus d'un indice UV 50 et plus. Et donc vous pouvez l'utiliser également en lit d'appoint puisque vous pouvez acheter à part des pieds pour la nacelle. En termes d'aération, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux. Regardez, ça s'ouvre là. Hop. Et là, on peut aérer ou avoir accès à son bébé. Ici. Hop. Et puis si je veux changer, alors là moi j'ai une coque d'une autre marque, c'est celle que je voulais, puisqu'elle s'allonge, elle est pratique, etc.
d'autres qualités que j'appréciais, eh ben, il y a des adaptateurs. Hop. C'est aussi compatible avec de nombreuses autres coques de d'autres marques. Elles tournent facilement. Hop. Vraiment super cette poussette. Et vous voyez, l'enfant est quand même assez haut, ce qui n'est pas négligeable. Déjà, c'est un confort pour le parent, mais aussi pour l'enfant qui n'est pas au niveau du trottoir, des pots d'échappement. Je vais vous présenter celle que j'utilise, celle qui est tout terrain. Quand je vais au parc, quand je vais dans les campings, enfin les endroits avec des cailloux et qui a du coup des suspensions qui sont encore plus grandes, sachant que celle-ci, pour une citadine, elle a de très grandes suspensions et je vous l'ai montré tout à l'heure. Et voici ma poussette tout terrain, c'est la Mix Next de Nuna. Et alors là, vraiment, suspension plus, elle est beaucoup plus large que celle que j'avais avant. Ce n'est pas une citadine, mais c'est du matériel de très grande qualité également. Avec un guidon en cuir, la petite barre ici de maintien également. L'enfant peut être totalement allongé comme dans plusieurs positions jusqu'à totalement debout. C'est assez confortable, assez agréable. Elle se plie également facilement. Je vous montre. 1, 2, 3. Hop, on l'adore pour le camping, pour dès qu'il y a un petit peu de terrain quoi. Et voici les grosses roues avec suspension, le frein. Voilà, on voit qu'on est allé à la campagne, hein, c'est pas tout à fait propre, mais vous voyez à peu près le beau modèle. L'un des transats les plus ergonomiques du marché, c'est le Transat Bliss de Baby Bjorn, avec son nouveau coloris d'ailleurs, là, qui est assez joli, j'aime bien le beige. Le tissu est très doux, mais surtout, fait aucune pression sur le dos de l'enfant, donc il permet un soutien idéal en fait au niveau de la nuque, de la tête et du dos du bébé. Il a un bercement naturel, sans pile, il a un socle antidérapant pour qu'il soit stable. Et l'enfant, en fait, peut se bercer lui-même et vous pouvez également, même avec le pied, en appuyant ici, bercer votre bébé. Vous avez trois positions et il se replie totalement. Donc vous avez cette position-là, la position intermédiaire semi-couchée et vous avez le pliage à plat pour les transports. Hop, voilà, facilement transportable et même rangeable. Mais j'en ai un autre qui a plusieurs fonctions et qui fait à la fois berceau, transat et chaise haute. Je vous le montre, c'est maxi cosy et c'est super cool, je l'aime bien. Ici j'ai le berceau transat chaise haute, donc 4 en 1, de maxi cosy qui s'appelle Alba. Et en fait regardez, hop, vous avez un berceau, hop, vous avez une première position de transat, hop, une deuxième position de transat. Changez la configuration de ce transat et ça devient une chaise haute, je vais vous montrer juste après. Alors vous avez plusieurs hauteurs. Réglable avec la petite pédale juste en dessous, tout facilement. Hop, vous avez... Voilà, pour s'adapter à votre fauteuil, là où vous êtes. Vous avez aussi des roues. Le socle est plutôt solide. Et je vais vous montrer comment il se transforme en chaise haute, puisque nous, on va passer à la fonction chaise haute. Et voilà, papa l'a mis en position chaise haute pour les repas. Comme le transat... c'est inclinable et vous pouvez choisir plusieurs niveaux d'inclinaison. Je voulais vous faire découvrir une dernière chose, ce sont les box Love Very. Moi je suis complètement tombée amoureuse de ces box parce qu'en fait quand on a un nouveau-né, on ne sait pas trop quoi lui proposer en fonction de son âge et de son stade de développement pour pouvoir l'éveiller, faire des jeux, travailler l'autonomie aussi, jouer en toute indépendance. Et en fait, cette box, elle vous accompagne et elle vous propose, dans le cadre d'abonnement, de vous envoyer régulièrement en fonction de l'âge de votre enfant. Donc, il y a une box 0-3 mois, après il y a une box 3-4 mois, ensuite, je crois qu'il y en a une pour 4-6. Et à chaque fois, vous recevez une box avec des jeux qui correspondent au développement de votre enfant et qui vont vous permettre de développer des sens, un éveil en fonction de là où il en est. Top qualité, vous voyez, bois certifié FSC, récolté durablement, le hochet cloche bois certifié FSC, récolté durablement également, la carte miroir qui est ici. Là, il y a écrit que c'est plastique sans danger pour les bébés. Et pour chaque, en fait, pour le triple anneau et le linge de dentition, donc là vous avez l'anneau de dentition, c'est celui-ci.
Vous avez exactement tout tissu en bambou et en coton biologique, donc pour le petit livre sensoriel, au Ecotex, enfin voilà, ce sont des produits de grande qualité. Et surtout, vous avez à chaque fois un petit manuel, un petit guide, un petit livre qui va vous expliquer comment utiliser chaque jouet. Et sur ce petit livret, en fait, vous avez déjà des explications. Donc là, c'est un calendrier d'utilisation des jeux. Vous pouvez proposer d'abord la carte miroir, après le livre sensoriel. Et donc, il vous guide justement tout au long de l'expérience. Il vous explique où en est votre enfant. Et ensuite, donc vous avez donc tout ce qu'on peut faire avec bébé, à quel âge, quelles sont les avancées, vers 3-4 mois, puisque ça c'est la box 3-4 mois, et les jeux. Et pour chaque jeu, hop, vous avez l'explication et comment lui présenter le jeu. Ici, un petit objet sensoriel qui est ici. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc là, pour la box 3-4 mois, j'ai eu ce petit objet sensoriel. J'ai eu le petit anneau de dentition. La carte miroir. Le grand miroir qui est ici. On se voit, je vois mon mec en train de me filmer. Mais regardez de l'autre côté. Hop, des images en noir et blanc. Donc c'est important de se montrer dans le miroir pour qu'il prenne conscience peu à peu de son existence et du fait que ben, maman et lui sont deux personnes différentes. Donc regardez, hop, la carte miroir par exemple, vous pouvez tout à fait la glisser ici. Et quand il va, hop, là il y a des petits... Hop, ça fait des petits bruits. Hop, donc il manipule. Moi je sais que mon petit loulou adore ça. Et vous avez, j'ai placé les cartes en noir et blanc, donc celle de l'escargot, parce qu'au début, c'est un peu leur façon de voir les choses. Vous voyez là, il manque une place pour une carte. Hop, je vais placer cette carte-là. Donc là, c'est des couleurs simples. Et là, en évoluant, il va s'intéresser à plus complexe. Il y a ce petit hochet qui est totalement en bois. Je s'appelle Groot. Et ça, il l'adore. Ça, il l'adore. Vous pouvez la faire rouler. Et en fait, il a appris à ramper avec ça, parce que ça roule et il veut atteindre l'objectif, ça fait du bruit, ça attire son attention, et du coup il se met à ramper pour la suivre. Ça c'était ce qu'on avait pour les 0-3 mois, c'était super joli, c'était un petit livre tout en bois. Je s'appelle Groot. Voilà, avec des petites formes de poissons, d'oiseaux, et puis plus tard vous pourrez compter également. Vous, voilà, c'est utilisable longtemps. Vous pourrez compter le nombre de pics du hérisson. C'est super pour les petits et donc là, je songe à prendre la box suivante puisque Lou a 5 mois. En tout cas, en attendant, j'espère que j'ai fait un bel état des lieux de tout le matériel de puériculture que j'ai chez moi. Alors, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait une grande partie. J'espère que ça vous aidera vous aussi dans vos choix. Si vous êtes enceinte, si vous avez un petit en bas âge, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je remercie en tout cas la marque de vêtements G-Swain d'avoir sponsorisé cette vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir en termes de contenu. C'est toujours intéressant pour moi parce que je suis en train de refaire un peu ma ligne éditoriale. A très bientôt.